Salut à tous, merci de me retrouver pour ce 8e épisode de Until Dawn. On a eu quelques infos, hein. On a vu des faux journaux, je ne sais pas encore très bien ce que ça implique. On a vu aussi une caméra, on a vu un magazine avec des fausses ampoules, non avec des vraies ampoules, mais tout ça j'ai l'impression que c'est pour faire de fausses scènes, genre des mises en scène en fait. Alors, eh ben c'est parti parce que j'ai hâte de savoir la suite. Wow, c'est bizarre. Merde, quoi! Ohé. Sam? Oh non! Chris, le choix t'appartient. Alors? Merci! On a besoin d'aide, s'il vous plaît! Oh, oh putain! Donc le sanatorium, il est bien relié à au chalet des Washington, hein. Un truc pas bizarre. Putain, Mike, heureusement que tu m'as trouvé. Tout va bien. Tout va bien. Ça va, toi? Ouais, Jessica, ou comment tu es arrivée là? T'inquiète. Jess, elle est où? Elle est pas avec toi. Elle est... Jessica est morte. Quoi? Il l'a tuée, Sam. Il y a un psychopathe dans cette montagne qui veut nous tuer. Un par un. Je te promets que quand tout le monde sera sain et sauf, je vais traquer cet enfoiré et lui arracher les couilles une par une en prenant mon temps. Il y a Josh qui se fait tuer, genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel! Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Bon, alors. Mais. Si c'est de la mise en scène, est-ce que ça voudrait dire que Jessica, elle est pas morte? Parce que, bon, il manquait quand même la moitié de la face, hein. Je crois qu'elle y est vraiment passée. Je peux rien faire. Elle reste sans serviette. En tout cas, elle a une bonne serviette, hein, elle tient bien. Ouais, mais attends, il est de ce côté-là, Mike. Fait très Nathan Drake de Uncharted. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Ah. Mike, tu permets?
Oui, pardon. Ok, ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... quelqu'un qui pleure. Non ! Ils sont vivants ! Non, dégage ! Chris. C'est quoi ça ? Tu as déjà entendu parler des balles à blanc ? Non, sérieusement. Attends. Oh putain ! Oh bordel ! Matt ! Matt ! Oh mon Dieu ! Merde ! Bon, alors, elle est vivante, ok, mais attends, comment ça peut être Josh, avant, avec le masque de clown ? Ah ouais, attends, je suis encore sous le choc, là. Allez, tu balances. Oula. Ah ! $100 dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Un haut à $600. Voilà. Ça, c'est cool. Jamais vu de haut à $600. Sauf si c'est un truc de haute couture, mais... Alors attends. Parce que bon, là je suis avec Emily, ouais c'est très bien, mais il y a 2 secondes on vient de voir que le gars en clown c'était Josh. Alors je comprends pas parce que... Jessica elle est morte. Il y a des balles à blanc. C'est un espèce de fantôme d'ailleurs qui attire Jessica et c'est un espèce de fantôme... Ouais, il se passe rien. Qui a accroché Matt. Sur un crochet. Alors. Alors pourquoi c'est Josh qui est censé être coupé en deux? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une mine. Très bien. Ça me perturbe un peu. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. On
coup, ça, j'imagine que c'est le chemin. Ça doit être pour ouvrir la porte, qui doit être fermée. L'équipe des exploseurs se prépare à dynamiter de nouvelles galeries en 51. L'ascenseur, non, je vais pas le prendre maintenant, je vais fouiller un peu. Là, je reviens juste en arrière. Machine de pointage. D'accord. Donc ça, c'est encore un truc avec les miniers. Ça, c'est encore le mec au lance-flammes. Bah quoi, pourquoi je vois sa tête en gros plan? C'est parce que je bougeais plus, je crois. Je crois qu'il allait se passer un truc. L'échelle, pas maintenant. Cette partie de la mine a récemment subi un effondrement majeur. Veuillez contacter le contremaître, Monsieur Tanner. Il y a des drôles de bruits dans cette mine quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Bon, donc ça, c'était Emily qui se prenait une balle en pleine tête. Ben au moins, c'est pas le gars au chalumeau qui va la faire griller. Mais le gars au chalumeau, je me demande si c'est vraiment un méchant, parce que... Quand Anna et Bess, elles étaient au bord de la falaise, il a tendu sa main. Je crois que je vais prendre l'échelle. Il a tendu sa main pour les aider, puis c'est... C'est Bess qui a refusé de la prendre. Ça m'étonnerait pas que ce soit un gentil. Merde ! Oh putain !
Mais qui a fait ça? Oh là là. Elle va jamais sortir de la mine. 8. Attends, il y a rien là, non. Mais allez. Notre Billy, non, cher Billy, reviens vite chez nous, sain et sauf de la tendre épouse et de ta fille, Agnès et Louise. Ça, c'était pour un mineur. Y a rien. Oh, étrange. Vraiment étrange. Bah, c'est quoi? Ah, ça doit être un casque de mineur. Avec une lampe à huile ou un truc comme ça là-devant. Ouais, je sais pas trop ce que je vois là. J'avoue, je ne sais pas. Le truc là-haut, contre le mur, ça doit être pour monter. Puisqu'il n'y a rien d'autre. Pourquoi on a entendu crier? Sauter. On va se dépêcher. Oula. C'est juste à chaque fois, hein. Pas trop quelle bestiole peut faire ce type de bruit. Mais non, c'est pas Matt, hein. Matt, il a été accroché comme un bout de viande. Il y a un truc en l'air. Attends. Oh non, c'est juste un bout de chaîne. Allez, putain. Oh, super. De merde. Bordel de merde. Ah, ma torche. Donc je suis revenue là où je voulais être tout à l'heure en montant l'échelle.
qui marche. Oh. Et je vais pouvoir prendre l'ascenseur. Est-ce qu'il veut que je trouve comment on descend? Il y a un grillage, je suis pas du bon côté. Hein. Oh, je vais encore devoir faire tout le tour pour arriver à l'ascenseur. Ah. Quoi? Attends, j'ai rien vu. Totem du danger. Oh, il m'en manque des totems. C'est une main qui sort d'un mur? Et qui fait peur à un mec. Bon, les mecs, il m'en reste plus beaucoup, hein. Il me reste Mac. Josh, il est plus là. Ah bah, il y a Chris. Mike et Chris. Oui. Ok. C'est pas des chauves-souris, ça. Ouais. Je peux pas monter. Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Qu'est-ce qu'il y a là, le tonneau? Ah, une carte. Photo du tatouage. Oui, accessoirement. Quand est-ce que tu t'en fais faire un, Bess? Accessoirement, il s'agit de Bess. Ah, c'est genre là où elles sont tombées. Mais ouais, c'était le reste du panneau qu'il y avait en haut, qu'elle a vu avec Matt dans l'épisode d'avant. Qu'il y avait tous les cerfs là, tous les élans. Ils avaient trouvé un demi-panneau. Oh, attends. C'est pas du tout un chemin, ça, c'est un caillou. C'était exactement il y a un an. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Je me demande si elles ont pas, genre, survécu. Les deux, ou les deux, elles sont avec lui maintenant. Avec le mec au chalumeau.
Mais attends, ça doit être le chemin. Ah, ça peut pas ne pas être un indice, hein. C'est pas possible. Mais non. Oh, Anna. With love. Parce que genre la date, avec les petits bâtons là, comme pour compter les jours. Ça fait comme si elles étaient tombées, puis qu'elles étaient restées là, en fait. Elles sont peut-être vivantes, elles sont peut-être sorties, hein. Alors attends, je crois qu'il y avait un truc sur la droite avant. Alors c'est là d'où je venais, je sais plus. Je vais voir rapidement. Là, voilà. Peut-être le mec au chalumeau qui les a enterrés finalement. Genre depuis il compte les jours. Je sais pas trop là. Je spécule. Oh, attends. Ah ouais, non, j'ai déjà vu. J'ai oublié. Y'a rien, là? Non. Y'a une poupée? Donc c'est ça, Beth, elle a survécu. Elle est restée prisonnière ici, mais... Pourquoi elle n'a pas réussi à s'enfuir? Si les gens cherchaient pour elle, ils auraient dû voir ça. Ça devient obscur, tout ça. Ça se trouve, Anna, elle est vivante, par contre. Ça se trouve, elle est vivante et elle est en train d'aider son frère Josh à se venger. Et elle joue le fantôme. Et donc, il serait bien d'eux. Le tout sous la direction du psy. Mais... je crois qu'ils auraient quand même pas tué Jessica et accroché Matt. Je sais pas. Faut que j'arrête de réfléchir. Donc, ne me dites rien dans les commentaires si vous savez déjà. Pas de spoil. Viens ici.
non, après elle va foutre le feu partout, non. Attends. Yadi. Oh mon sang. Josh. Josh. Je suis sûr qu'il est pas méchant. Josh. Avec son chalumeau. Oh, magnifique. Bravo à tous. Vous m'avez trouvé. Et vous vous en êtes bien sortis. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué? Toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles. Non, 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 non. Parce qu'elles sont mortes. Je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, 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 faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils se sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum, 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 boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer avec marionnettiste de toute cette panique, pas de. Ce sang? Le sang, c'était un festival au cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non, 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 non. Tout en une seule prise. Oh, vous auriez dû voir mon tête. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Il n'en sait rien. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet. Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir. Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? T'as entendu? Jessica est morte. Et tu vas payer pour ça, connard! Hé, les gars! Non, sérieusement, c'est ce débile, vous savez. La ferme! Chris! Mon pote! Je suis plus ton pote. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. Tu te fous de ma gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Franchement, tu ferais mieux de la fermer. Chris, s'il te plaît, mon pote, on est partenaires. Arrête, arrête de dire ça. Joue au con! Tu veux voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, femme! Tu es grand! Mike. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Parce que je suis tellement désolé! Arrête! Lâche, Mike! Michael, je suis désolé, mec! Tu sais pas à quel point je suis désolé! Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica! Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça! Réponds-moi franchement, tu penses vraiment qu'on va te croire rien qu'une seule petite seconde après tout ce que tu nous as fait subir?
Ok, on peut passer à autre chose. Putain! On plaisante pas! C'est pas juste! Non! Ça ne devait pas du tout se passer comme ça! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir! Vous pouvez pas me laisser crever ici! Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon! Ah oh stop! Oh, la ferme! T'es le plus grand trouillard qui soit! Ah ouais? J'ai fait des choses! J'ai créé un monde auquel vous avez tous cru! J'ai révélé une part de vous-même dont vous aviez tous peur! Tu nous as manipulés, tu nous as piégés, tu as blessé tes amis, et tout ça en restant dans l'ombre! T'es qu'un sale lâche, Josh! C'est tout ce que t'es! Ah! 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 Ok, on me ligote là, ok? Bouge pas, ouais, mec! Ouais, très bien, mais. Tu peux pas les attacher si chicotent comme ça! Josh, sérieux! Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu quand même, hein? Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, chérie, ok? Moi, chérie, je peux plus bouger. D'ailleurs, en place. Putain, mais de quoi? Il parle, bordel! C'est dur à regarder. Quand tu fais une prise de... Il a déjà dit ce genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Chris et Ash. Chris est un lâche. Ashley est une idiote. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que t'étais idiot, idiot. C'est quoi ton problème? Oh, Ashley. Ashley, je vais te tirer de là, je vais pas te laisser mourir. J'imaginais pas dans mes rêves les plus fous que tu m'aimais. Stop. Et tu connais ce bruit? Le bruit de jamais embrasser Ashley, connard! Stop! Ouais, tu sais, tu pourrais bien laisser Ashley avec Mike. Bah ouais, au moins lui, il en a sous la ceinture, tu sais. Elle devrait, mais ça! T'es vraiment pathétique, Christopher! Je vais lui arracher la tête! Non, l'écoute pas! Laisse tomber! Hé, hey, Mike! Mike! Quoi? Si on parlait de Jace, Mike? Tu sais ce qui s'est passé? Non! Non! C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jace. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! C'était pas la blonde, de toute façon, on s'en fout. Tu fais rien. On va. Vous êtes trop nuls! Quoi? Oh, allez! Tu veux vraiment me faire croire que tu vas me tuer? Moi? Pauvre petite chose ligotée sans défense. Tu devrais aller au chalet pour t'assurer que tout va bien. Cette tarée et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais, ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Bon, eh ben... Il s'en est passé des choses. Mais c'est un peu bizarre parce que Josh, il s'est comporté normalement pendant toute l'aventure, et puis là, d'un coup, il est complètement jeté, le mec. Il s'est révélé. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite pour la suite, parce que je suis toujours pressée de connaître la suite. Allez, à très vite, ciao!